Bonjour, je suis Frédéric Forté. Nous sommes le 15 mars à Paris, dans mon appartement. Il est presque 22 heures et je vais vous lire les sonnets que je comptais lire dans quelques jours à Clermont pour la lecture croisée à laquelle je devais participer. Ça s'appelle « Le sentiment général ». Or, ce n'est pas le moment de commencer un nouveau poème. Il y a de la fièvre à la maison et puis du ménage à faire. Et on ne sait pas vraiment hiérarchiser les priorités. On voudrait, il faudrait. Mais la parole n'est pas toujours la chose en soi la plus opérationnelle au monde. On pense qu'on dit souvent n'importe quoi. Comment se décider à passer à l'acte? Ce ciel-là est généralement nuageux. On entend des voix de dessins animés, une musique introspective qui joue sur la chaîne du salon et on se prend à considérer toutes choses égales. À considérer toutes choses égales, très vite on sombre dans le méditatif. Par la fenêtre du TGV, la vue dégagée de tout impératif, le corps détendu, l'esprit flotte comme en roue libre. On pousse quelque chose au-devant de soi sans chercher à en préciser la nature. C'est une fuite en avant, oui, mais le jour a tendance à se replier sur lui-même en déposant à la fin un résidu de rose pâle sur l'horizon pratique. Et l'on se dit qu'on pourrait s'arrêter là. Malgré la nuit, pourtant, il faut continuer. Parce qu'il y a un sujet qui se cache. Parce qu'il y a un sujet qui se cache, on se dit « on » plutôt qu'autre chose. On est le plus commun, le plus commode, le point le plus facile à retrouver dans la foule. Pour peu que l'on cherche, et bien sûr que l'on cherche. On ne fait que ça, les visages passés, comme au scanner, les gestes particuliers, fondus au collectif. N'est pas la masse. On archive les formes sans y penser. En fait, voilà, on se rapproche et s'éloigne en permanence du sujet, un soleil aveuglant et qui ne cesse jamais d'être ce rhinocéros au milieu de la chambre, au grand jour, visible de tous à l'œil nu. Au grand jour, visible de tous à l'œil nu, on peut être indifféremment l'un ou l'autre. Mais impossible de passer tout le monde en revue. On est perdu dans le défi, les coupés en deux, divisés entre mille branches de l'activité, conduits, poussés à partager le sentiment général, au sujet duquel on ne sait trop quoi dire. Car ce qu'on voudrait éprouver maintenant, traversant mentalement le paysage, c'est davantage de matérialité. Par exemple, on toucherait vraiment un arbre, et l'arbre nous toucherait vraiment sensible, mais inaperçu dans son clignotement. Mais inaperçu dans son clignotement, un objet commun attend qu'on le regarde, que même on le fasse tourner dans la main, en l'examinant quasi sous tous les angles. C'est ainsi qu'on a reçu par SMS un dessin d'enfant aux couleurs vives, formes abstraites, tracées du doigt sur un écran. Geste que la définition pixelise. Comment cela existe-t-il si de tout corps les atomes sont des fractions d'étoiles? En quoi ça se transforme quand le fichier finit par être effacé, on interroge du regard les lignes sans rien éclaircir. C'est un paysage en système binaire. C'est un paysage en système binaire. On dirait le ciel, qui est clair aujourd'hui. Le vert est léger, mais c'est vrai qu'on a tous un petit côté météorologiste.
parce que dans le fond, les événements nous regardent, on envisage le monde en surface détachable, rattachée les unes aux autres par des fils, et voilà que le voisin du dessus se met à nous fabriquer du bruit avec ce qui lui tombe sous la main, comme s'il essayait d'écrire dans une langue morse un poème lourd de sens qu'on ne lit pas, qui n'en est pas moins quelque chose qui ressemble à une ligne. Quelque chose qui ressemble à une ligne, dans le temps, résiste à la déformation. Nous, le nez collé à la vitre, on essaye de ne pas trop se laisser impressionner par tout ce qui vite nous arrive. On vit des sensations immédiates. Par exemple, si on pense fort à ce couteau sans manche, là, on le fait sortir de l'anonymat. Mais le fait-on ? L'exercice est inutile, à moins qu'une technique d'effacement de tout le reste, et puis bon, il pleut des cordes, sans discontinuer sur les philosophes, comme pour dire qu'on est à peine ça, du monde infraordinaire, presque rien. Du monde infraordinaire, presque rien, ne sourd. À la télévision, on n'en parle pas. Quelquefois, on se dit qu'il faudrait plus de brouillard, de féminin, de pamplemousse, plus de ces choses-là qui se font entendre pile au moment où l'on ne s'y attend pas. Mais comment faire après pour garder la ligne qu'on s'était fixée? Pris dans le flou, on prend des notes. À chaque instant, tout a un goût de première fois, une manière d'être là, tout à la fois manifeste et furtif. Quand le sentiment général nous déborde et qu'on cherche dans le chaos un accord qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte. Qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte, comme une évidence, ça paraît certain, vu depuis la table, mais il faut sortir de la comptabilité trop générale. Sans quoi, c'est sûr, on n'en sortira pas. On pousse la porte et qu'est-ce que l'on trouve? De l'autre côté, un espace à remplir de gestes plus concrets. Le contraire, en somme, de ce poème qui lui aussi serait une porte, mais fermée extrêmement. Alors par la fenêtre, venir au monde, ou plonger en expédition dans les branches, y passer son temps avec l'idée d'un jour remonter exactement à la surface. Remonter exactement à la surface, même avec le plan, parfois c'est compliqué. La plupart du temps, la notice IKEA est tenu à l'envers et l'on apprend bêtement à nager in situ dans le fractionné. Notre cogito ergo sum est tout sans dessus dessous. On se heurte sans cesse au principe de réalité. On cloche, on fait des bulles qui contiennent des idées discontinues, des pensées toutes nues, rhabillées. Bonjour les scaphandriers. Maintenant qu'on a visité chaque faille, pour mieux se rappeler l'amont, on avale des choses, voilà, comme un bon gros poisson. Des choses, voilà, comme un bon gros poisson qui s'extrait, importé peut-être d'une autre fable. Dans l'instant, on ne comprend pas trop ce qu'il vient faire là, il comme même nous échappe, à moins qu'on ne souhaite être comme lui, si tout entier dans la comparaison. Être lui, un poisson ou quasi, et fuir le sentiment général, s'il est possible, pour mieux s'inclure dans le particulier, la douche
plutôt que le bain bouillonnant, remettant les troubles du monde liquide à plus tard pour une petite banquise privative ou pour finir en bout de ligne, pris dans les filets de quoi, on ne sait pas. Pris dans les filets de quoi, on ne sait pas toujours comment répondre à la question, elle, en suspens et nous avec, pour un peu, on cesserait en tout. Mais quelque chose pousse à dénouer les nœuds, c'est la tête qui parle. Ou alors le corps, en tout cas le cœur n'est que rythmique, hein, rien qu'à soi et qui mesure le temps des choses passées à l'intérieur. À l'extérieur, le monde informe le monde dans le flou continu des conversations. A-t-on l'impression d'être resté au bord, qu'aussi sec on se retrouve au beau milieu, pataugeant sans le savoir dans la réponse. La matière de la poésie, peut-être. La matière de la poésie, peut-être, ne rapporte rien, juste un zeste de vert dans l'orange crépuscule et puis rideau de brouillard comme ça sur le paysage. Du coup, on opterait pour une remise des compteurs à zéro, que tout soit égal dans la langue, coucher de soleil valant camion poubelle ou toutes choses auxquelles on pourrait penser, si tant est que l'on pense, dans un poème. Et on les transformerait en nul autre objet que celui-ci, un bruit qui s'ébruiterait jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même ou soufflé par plus grand vacarme, cela même qu'on aimerait renverser. Cela même qu'on aimerait renverser nous renverse à chaque fois. C'est une image qu'on ne voit pas. Mais est-ce alors une image? Et ne serait-ce pas nous, les imagés? Le sentiment général serait ainsi le titre rêvé du film documentaire dans lequel on n'arrête pas de tourner, tous en plan serré les uns contre les autres. À l'heure où l'on se parle, personne encore n'a dit couper. Les lumières continuent de clignoter et dans le long travelling qui nous ramène à notre point de départ, on aperçoit le début de quelque chose. Or, ce n'est pas le moment de commencer. Là, je vous ai lu 14 sonnets, sans rime, mais très, qui font une couronne de sonnets. Et si je relis les premiers vers de chacun de ces 14 sonnets, j'obtiens un 15e sonnet, qu'on appelle le sonnet maître. Pour tout vous dire, c'est lui que j'ai écrit en premier. Or, ce n'est pas le moment de commencer à considérer toutes choses égales, parce qu'il y a un sujet qui se cache au grand jour, visible de tous à l'œil nu, mais inaperçu dans son clignotement. C'est un paysage en système binaire, quelque chose qui ressemble à une ligne du monde infraordinaire, presque rien, qu'on voudrait tirer de soi en fin de compte. Remonter exactement à la surface des choses, voilà, comme un bon gros poisson pris dans les filets de quoi, on ne sait pas. La matière de la poésie, peut-être. Cela même qu'on aimerait renverser. Voilà. À bientôt, j'espère.